Bonjour à tous, cette vidéo, vu le titre, je pense que vous aurez compris, je vais arrêter ma chaîne YouTube pour plusieurs raisons. Donc sans montage, bien sûr, parce que je suis pas de montage. J'arrête ma chaîne parce que j'ai pas les attentes que je voudrais et en plus parce que je sais pas, ça m'a lassé en quelque sorte, ça m'a un peu lassé du genre que ça a fait au moins 3-4 mois que c'est resté stable, ça m'a lassé et j'arrivais pas à augmenter. Bon, c'est pour ça, il y avait des amis à moi qui me disaient continue. Alors j'ai continué pendant 2-3 mois, j'ai continué et c'est stable. Après bon, il y a des noobs qui mettent les pouces verts, enfin les pouces rouges, je veux dire, excusez-moi, c'est pas les noobs. Non, les pouces rouges et tout, vraiment, c'est... Après, les gens se peignaient parce que je spammais, alors que je spammais pas du tout, mais... Il y a plein de raisons, par-ci, par-là. Après, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui me suivaient, et ça, c'était super. Et par contre, pour ceux qui veulent encore me suivre, je vais créer une chaîne YouTube, mais qu'avec de la musique. Donc là, je vais chercher un batteur, je vais chercher un groupe. Un batteur, il me faudra un batteur, un bassiste et un autre en guitare électrique ou en chant. Parce que moi je ne sais pas chanter. Donc il me faudra bien quelqu'un en chant, ce serait important. Tout ça est important pour moi et le projet des jeux vidéo, bon les jeux vidéo je continuerai mais en tant que passe-temps, pas en tant que présentateur on va dire, vraiment pas en présentateur. Et donc aussi, c'est pour les gens qui sont intéressés, je vends un HDPVR parce que maintenant qu'il va plus me servir, je fais plus de vidéos. Je vends un HDPVR à 100€, il est tout neuf. Pratiquement tout neuf, on va dire. Bon, il a un an et demi, mais il est... J'ai le CD, j'ai l'installation, j'ai l'HDPVR, il est pratiquement tout neuf. C'est un HDPVR avec enregistrement bleu, c'est pas l'enregistrement vert. C'est celui qui coûte 204€, donc vous le vendez à 100€, c'est quand même cadeau. Il y a les câbles et tout avec, les câbles qui sont pas forcément dans la boîte d'achat, donc ça vous fait gagner du temps un peu. Et voilà, donc je vais vous mettre le lien de la description, enfin le lien de ma nouvelle chaîne YouTube, qui sera consacrée aux musiques, aux musiques et tout. Je pense que je ferai des vidéos sur des covers et tout. Je vais me consacrer aux covers. Après c'est une chaîne où je vais m'en foutre complètement des abonnés et c'est pas que je vais m'en foutre mais ça va, il y aura pas d'objectif à atteindre et pour moi ce sera plus un loisir vraiment, parce que quand les gens me disent d'abonner, de s'abonner etc, c'est plutôt soit une question de, comment dire, ils ont envie d'être plus haut que les autres, enfin pas plus haut que les autres mais d'être d'avoir des abonnés, d'avoir des vues, d'avoir des likes. Quand les gens ils te disent par exemple ouais je veux avoir plein de likes et tout, bon si ça les divertit c'est bien hein. Et l'objectif c'est surtout d'avoir les abonnés, pas les abonnés mais il faut avoir des gens, des abonnés qui nous suivent. Là j'ai 164 actuellement abonnés sur ma chaîne YouTube, sur mon ancienne on va dire. J'en ai 200 qui suivent quoi. Après les autres c'est vraiment, donc j'ai fait aussi une petite bourbe en disant, en faisant de la pub etc, c'est vraiment pas un exemple à suivre, donc le mieux c'est d'attendre. Donc moi je vais poster des nouvelles vidéos sur YouTube mais que des covers, donc guitare électrique ou guitare acoustique, ça c'est pas encore, je cherche donc un groupe. Tout ça c'est un projet que j'ai réfléchi, donc c'est pas été facile parce que j'y tenais vraiment beaucoup à ma chaîne YouTube Ditcho, parce que ça faisait quand même 2 ans et demi, 3 ans que j'y étais. J'ai fait beaucoup de connaissances grâce à cette chaîne, je me suis fait beaucoup d'amis, j'avais envie de dire les noms mais j'avais pas envie d'avoir trop de jobs. C'est pas que c'est un manque de sérieux, vous allez dire oh, mais il est pas sérieux. Ah, c'est pas un manque de sérieux, c'est juste qu'il y en a tellement que je vais pas en citer 100 maintenant. Ni faire un texte avec tous les 100. Bon, au moins les personnes qui m'ont le plus soutenu sur la chaîne YouTube c'est pratiquement que les filles on va dire, parce qu'elles aimaient bien les délires Skype et
elles aimaient bien tout ça et les délires et tout. Mais il y a des garçons aussi qui ont été super sympas. Il y a eu Dark qui m'a suivi jusqu'au bout. Bon, je dis non, finalement, j'ai eu Dark, il y a eu Charlotte qui m'a chachou, qui m'a suivi. Il y a Emily, il y a deux noms. Après, j'ai fait plein de rencontres. J'ai rencontré des gars, des autres youtubeurs, pas forcément. Enfin, ils étaient bien, c'est de bons youtubeurs, enfin des bons youtubeurs, c'est comme moi quoi, ils débutent et c'est 400, 500 abonnés. Mais je pense que là, les jeux vidéo sur YouTube, je pense qu'il y en a beaucoup trop de présentateurs. Donc pour l'instant, les meilleurs présentateurs pour moi, ça restera toujours Squeezie en ce moment. Il rentre dans mon estime encore un peu plus, mais pour les grands joueurs de Minecraft, c'est Fantasio et les autres quoi. Enfin les autres, il n'y en a que deux. Ouais. Mais après Wartek, pour moi, enfin un autre commentateur du vidéo, il m'a. Au début j'y ai accroché et j'accroche plus. Wartek pourtant est plutôt intéressant. Diablo X9, bon lui, il devrait partir à la retraite. Il a trop de sous. Et voilà, donc. Donc pour les gens qui ont suivi pendant 3 ans ma chaîne YouTube, ça a été super sympa. Je vous remercie. J'ai vécu quelque chose de. Pas intense, mais. Sans dire le mot, mais que j'ai vraiment eu plein de changements de situation, j'ai eu une motivation, en quelque sorte, j'ai eu une petite motivation du genre je vais essayer de faire mieux que la dernière fois pour ça plaise encore. C'est pour ça aussi que j'arrête un peu ma chaîne YouTube, parce que à force de vouloir trop faire, et au résultat j'ai pas grand chose. Donc ça frustre et après ça. Ça donne plus envie de continuer, mais en plus il y a des moments où j'ai vraiment eu mon stade. J'ai vraiment eu beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés d'un coup. En un an, j'ai explosé. Après pendant on va dire un an, j'ai que stabilisé, il n'y a eu aucune progression, rien du tout. C'est pour ça aussi que j'arrête, mais aussi parce que j'ai envie que les jeux vidéo restent mon loisir et pas non plus une obligation. À faire des vidéos sur YouTube, etc. Donc pour moi, YouTube, ça s'arrête pas, mais ça s'arrête entre guillemets par rapport à ma chaîne, mais au moins, je ferai des vidéos sur des covers, etc. Donc si vous voulez me suivre, je vous passerai le lien dans la vidéo. Pour ceux qui ont envie de voir mes vidéos sur YouTube pour mes covers, je pense que je ferai quelques vidéos sympathiques comme ça, entre potes, enfin, peut-être pas de jeux vidéo, pas forcément, mais... Il y aura vraiment des vidéos assez drôles à partager, parce que si par exemple je joue un jour un jeu sur PC horreur et que je suis avec des potes, autant filmer, je mettrai ça sur ma chaîne, tant pis, tant que ça peut faire rire. Et maintenant mon objectif maintenant c'est fonder un groupe et vous faire plaisir avec mes vidéos pour les guitaristes ou les gens qui écoutent du rock, etc. J'espère que ça va vous faire plaisir, 1, 2, 3. J'espère que ça va vous faire plaisir au moins pour les gens qui suivent. Je continuerai toujours à filmer. Et cette fois-ci, je vais améliorer la qualité de vidéo et tout. Pour mes covers, etc. Donc je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai pas cité tous les gens que j'aimerais remercier. J'ai connu tellement de gens grâce à YouTube. Ça me frustre un peu parce que je faisais tellement de connaissances, tellement de rencontres que... Le fait d'arrêter ça me vexe un peu parce que j'aimais tellement ces rencontres avec des gens, enfin les rencontres, on faisait pas de rencontres mais on parlait, on discutait, les gens aimaient ce que je faisais, c'était motivant. Et depuis voilà, ça, comme on dit, ça sert plus à rien, comme il y a plein d'autres youtubeurs par exemple qui à peine ils commencent leur chaîne YouTube, ils se font des concours pour après avoir 1000 abonnés comme ça, c'est un truc de malade, je sais pas. Donc là moi vous voyez je vends mon AGP vert, bon c'est pas comme si j'allais vous faire gagner, mais bon si j'ai beaucoup de demandes peut-être que oui mais je sais pas. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit, donc c'est ma dernière vidéo, donc j'essaie de faire durer les choses un peu parce que ça va me faire un peu mal. Bon, ma chaîne YouTube sera pas supprimée, des Turbocoon, parce que si vous voulez revoir mes vidéos, si les gens ont envie de voir cette vidéo pour après regarder mon autre vidéo, donc Turbocoon ne sera pas supprimé, mais mon autre chaîne YouTube sera ouverte
Et donc s'il y a des gens, des batteurs, des bassistes, des chanteurs, et des chanteurs, c'est pas mal. Un chanteur déjà super. Un chanteur qui est assez intéressé, j'accepte. Et vous me contactez sur ma chaîne YouTube, etc. Donc merci à tous d'avoir suivi ma chaîne YouTube et adieu. Et toujours, bien sûr, regardez bien ma nouvelle chaîne. Et si vous voulez, abonnez-vous, je m'en fous, faites ce que vous voulez. Donc merci beaucoup. Ciao, ciao.